Jean-Louis, merci une nouvelle fois de cette disponibilité après ce nouveau revers. Les experts, avec toi. Écoute, j'ai l'impression que c'est bis repetita. 45 minutes, pas mal. Première mi-temps correct et en deuxième mi-temps, on perdait tout. Vous voyez, on a l'impression que c'est la fin du monde, non ? On a pas, t'as ce sentiment-là aussi ou pas ? Non, c'est des fautes techniques qui font qu'on donne les buts. On a fait cadeau du match, c'est ça. En première mi-temps, on les a inquiétés en contrant comme il fallait. On a une situation de but. Mais en deuxième mi-temps, on a fait des fautes techniques de petit niveau. Oui, mais c'est un peu comme Paris. Tu m'as dit, dimanche, tu m'as dit la même chose. C'était pas pareil. Contre Paris, c'était plus une gestion de la situation. On se contredit. Là, quand on manque une passe à 10 mètres et qu'on lance à l'adversaire et qu'on prend le but, tout s'effondre. Coach, je veux savoir quelles sont les solutions. Vous avez positivé après le match du PSG. Là, c'est un peu plus compliqué. Cette défaite peut-être un peu plus amère. Les solutions, il va falloir vite trouver. C'est pas dans l'effectif parce qu'on a beaucoup de blessés. On joue un match de Coupe d'Europe jeudi. C'est jouer sur la fierté parce que ce soir on n'a pas été à la hauteur. On a été très mauvais, très mauvais. Il manque ce caractère qui est normalement le signe fort de l'ADN de l'Olympique de Marseille. Oui, mais je pense que c'est pas d'aujourd'hui. Il y a eu un petit rebond à mon arrivée. C'est vrai. Aujourd'hui, le rebond, il est. On est au même niveau. Voilà, il faut. Est-ce que ça veut dire que c'est ça le niveau de l'Olympique de Marseille de cette saison? Non, c'est en dents de scie, des bonnes choses quand on est sous pression. Comme on l'a été contre Paris, en première mi-temps on avait été bon, aujourd'hui en première mi-temps on est pas mal, on a des situations mais on ne sait pas faire mal. On ne sait pas faire mal, on ne sait pas conclure, on ne sait pas mener 0-1 à l'extérieur. On joue à la baballe et après en seconde mi-temps on perd des ballons de minime et derrière on prend 3 buts. Jean-Louis, on te souhaite le meilleur pour la prépa pour Benfica. Merci beaucoup. Merci.